Bonjour tout le monde, voilà, aujourd'hui nouvelle vidéo avec Dolan. Allez, dis bonjour Dolan. Bonjour Dolan. Aujourd'hui, enfin, c'est pas ce qui se paraît, c'est sûr, il fait froid, voilà, et on est sur un nouvel épisode de Lady. Je vous annonce que je reprends Lady, voilà, à partir d'aujourd'hui. Je vais vous lâcher des dingueries. Poisson d'avril. C'est un poisson d'avril. Genre, en fait, bah non. Enfin, si, mais pas maintenant. Voilà, poisson d'avril. Voilà. C'est pas ouf. C'est... En fait, le truc, c'est que c'est poisson d'avril aujourd'hui et que c'est nul. On m'a lâché un poisson d'avril. J'aime pas trop les poissons d'avril, vous savez. Après, c'est mieux que d'habitude parce que d'habitude, je me prends des poissons. Là, je me suis pris un petit Mélenchon. Ce qui reste de lui, en tout cas, voilà. Hein. Tu vois la gueule qu'il a, putain. Voilà, donc je suis content de m'être pris Mélenchon. Bon, en tout cas, voilà, aujourd'hui je fais 8h, 9h. C'est le petit poisson d'avril du lycée, c'est que je finis tôt. Putain, donc après Dolan m'a envoyé une vidéo assez sus ce matin. Je crois que tu vas être avec moi. Quelle vidéo assez sus? Je sais pas, tu m'as envoyé un TikTok gros. En fait, tu voulais me péchoter quoi. Ok. Celle du mec qui dit qu'en gros il faut sortir ensemble. Si gros, tu m'as envoyé ça par message. Tu m'as envoyé ça par message. Dégage, tu m'as envoyé ta bite ce matin. Bon. Qu'est-ce que tu fais? Top d'avril. Ton air il va crever, tu le sais. Quoi? Il va crever ton air. Pourquoi? Parce que t'as vu ce que tu fais. Ah, c'était une top d'avril. Bon, voilà. Bah, c'était... C'est pas comme lui, c'est nul. C'était mon poisson d'avril, voilà. Allez, tu viens de me niquer 10 minutes de ma vie pour rien, gros. C'est bon. Pour une action aussi merdique. Voilà, donc mes cours sont terminés, toujours avec Dolan. Voilà, petit poisson d'avril du Nord. De la météo. Voilà, un peu de neige, voilà, ça te fait jamais de mal, hein. C'est toujours avec Mélenchon. Oh, regarde, y a des gens qui vont foutre. Ah, oui. Bon, on dirait que c'est une vidéo visite guidée de Valenciennes. Ah! Voilà, donc actuellement je suis à la Fnac. Là, regardez, il y a un petit Jiren. Il y a une magnifique figurine de Jiren. Il est trop beau, il est incroyable. Moi, je suis un grand fan de Jiren. Tome de The Bozo, frère, tome 13. Là, il y a des petites peluches. Il y a Baby Yoda, gros goût. Là, il y a Dolan. C'est Piccolo fils de lui. Regarde, il y a Baby Yoda mais encore plus gros. Et là il y a une pioche. Ah, il y a une épée là-bas. Il y a Goku. C'est ma Goku. Gros, il y a une pioche en diamant. Cosplay Minecraft, c'est fou. En vrai là... Vas-y sur tes gueules. Là il y a une pioche... Il y a une pioche dans une matière gros, je sais même pas c'est quoi comme matière sur Minecraft. Je crois que c'est... C'est les trucs que tu farmes dans l'End. Non. Oui, moi aussi j'ai oublié le Nether, c'est Netherite. Ouais. Non. Netherite est noir. C'est pas des fous. Vas-y, ta gamin, tu peux meuf. Si vous voulez, on a un Micromania pour l'ancienne. Micromania pour l'ancienne. Ça sent bon. Y'a pas de mal, putain, y'a pas de mal. Harry Potter. Incroyable, les Lego aussi de Harry Potter. Harry Potter. Hâte que le jeu sorte. Il y a même des mini Lego. Ah, il y a fait un teaser du jeu maintenant. Ah, 10€ gros. Ça vaut pas le coup. Voilà. Là, il y a des jeux de la meilleure console. Hein. Bon, pas les meilleurs jeux, mais de la meilleure console. Là, il y a Mario Kart. Super Mario. Là, il y a des casquettes de vrai geek. Tu veux essayer la casquette Jurassic Park là. Elle a l'air cool. Hein. Tu seras content, non? Là, comme vous voyez, des trucs qui portent. Là... T'es pas sa gueule, putain. Une petite figurine Fortnite. Oh, c'est une lampe! Parce que Fortnite, c'est trop cool. Là, il y a du Mario. Bref, là, il y a Dragon Ball. Dragon Ball, c'est trop beau. Oh, putain, y'a Ray. T'es mort. Oh, elle est magnifique.
Regarde là, gros. Non, elle est nulle, elle. Elle est bon. Il y a des figurines assez intéressantes. Hein. Bon, voilà, donc bah, là, on a pu visiter la Fnac. J'ai acheté 9 alors que je peux l'avoir là. Je peux l'avoir là-bas. Voilà, donc là, on a Micromania, le jeu. Among Us, 35 euros. Oh, Among Us 35 balles. Qu'est-ce que tu racontes? Y'a pas Among Us tout en bas. Tu vois, je vois, c'est quoi le 2? Non, je suis mis à part. Y'a pas d'Among Us. Wesh. Je sais même pas que ça existait. Elle est incroyable, la boîte. Ouais, mais regarde, c'est PlayStation. Wouah. Alors, salut, enfin. Et où le rayon Xbox? Il l'a sur Xbox? Il l'a, gros. Il a Among Us. Par contre, c'est avec la boîte. Ouais. Elle est incroyable, la boîte. Elle est magnifique, la boîte. 35 balles, c'est un peu l'arnaque. Ah oui, il y a la figurine de Luigi, gros. Ah, par contre, je crois que c'est celle-là hein, qui a Steelers. On en parle avec... Et en vrai, elle est détaillée de fou malade. Je suis transformé comme c'est mon partenaire. Là, il y a All Might. Ils sont bien pris en plus. All Might, par contre, il est incroyable. Beaucoup beau derrière. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. J'ai 23 ans. J'ai 23 ans. Oh putain, on y va. Pour 15 euros. Pour juste d'occasion pour 15 euros. En plus, je crois il y a eu les patchs et tout hein, maintenant sur Cyberpunk. Le jeu que je voudrais m'acheter sur mon PC. Oui, voilà, j'ai un ordinateur. Je suis un vrai geek. J'ai toutes les consoles. Les GPS normal. Ça fait la play. Les skins. Voilà, il fait ses petits choix. On dirait que je suis en train de faire une vidéo brocante. Oh, on y va. Câble 54. J'ai faim. Bon, allez, donc là, nous allons nous en. Nous allons nous en. Des topettes à bon, si on reste là, il va pas. Voilà, allez, on y va parce que le mec après il va croire qu'on voit des choses. Bon, voilà. Hein. Ouais, waouh. Voilà, et c'est tout. On monte à la Fnac. Donc il est 52, dans 8 minutes la Fnac ouvre, donc on va y aller. Non, moi je vais pas. Bon. Donc voilà, on va y aller à deux. Et let's pas, go. Bon, la Fnac est toujours pas ouverte parce que bah elle est toujours pas ouverte. T'es triste, Dylan? Ouais. Voilà, il va pleurer. Hein. Comme vous voyez, il y a 15 000 bouffes sur lui. Ni ta mère, voilà. Moi j'ai rien parce que bah j'ai pas d'argent. Et c'est pour ça que cette vidéo bien sûr est sponsorisée, on en reparlera tout à l'heure. Voilà. C'est un poisson d'avril comme vous vous demandez. Donc actuellement il pleut, je crois. Bon, en tout cas c'est mieux que la neige et ça c'est une bonne chose. Dolan est toujours en train de grailler et il est 10h donc la Fnac est censée ouvrir. Si ça s'ouvre pas, je pète mon crâne. Vraiment. Voilà, ça ouvre. J'ai évité de filmer parce qu'il y a des gens et tout et moi je suis un vrai youtubeur, vous voyez, je fais attention à. Je fais attention à. À mon image, voilà, je fais attention à mon image. Je fais attention au droit à l'image pour ma chaîne YouTube. Je rigole. Oh, regardez tout le monde. Poisson d'avril. Oh, mais tu casses les couilles, gros. Bon, on va juste attendre qu'il finisse son petit pain là. Allez, je montre la bouffe, ça a donné faim aux gens. Attends, ton pouce, on dirait pas un perso Among Us là. T'as bien. Skin. T'as qu'à aller à la Micromania et dire hey, ça c'est à moi par contre, droit à l'image s'il vous plaît. Je suis en train de te filmer gros, on dirait t'es une star. On y va. Voilà, allez on entre. Je suis en train d'avancer gros, je fais du surplace là. Oh, regardez la Fnac. C'est incroyable toutes les télés qu'il y a là. On va filmer ici. Ta gueule. Non, t'as pas le droit d'arriver. Ni ta mère, c'est chez moi. Même dans le magasin, t'as pas le droit. Belle télé. Voilà. Pour ceux qui se posent la question, déjà pourquoi je suis à la Fnac, c'est parce que je vais tout simplement utiliser mon passe culture. Passe culture, si vous connaissez pas, en fait, c'est mais quelque chose que. Rien à branler. Le passe culture, en fait, c'est tout simplement quelque chose. Ça vous rajoute, en fait, quand vous avez par exemple 15 ans, si non, vous en gros, bien. En gros, c'est pour éviter que tu utilises de la thune, c'est par rapport à l'âge. Voilà, ça veut dire que si vous avez 15 ans, vous avez 20 euros, 16 et 17 ans, 30 euros, si je me rappelle bien. Voilà. Et quand vous avez 18 ans, 300 euros, voilà. Que vous pouvez dépenser sur des livres, sur des trucs de cinéma ou de la musique. Voilà, ça vaut grave le coup. Essayez. Moi, il me reste 14 euros, je vais dépenser ça. Mais maintenant. Je vais m'acheter des mangas. Voilà. Voilà, donc là, voilà, je suis content.
Tu me filmes moi là, fils de pute. C'était gratuit. Et toi, t'as acheté un truc? Waouh, c'est vraiment de la merde. Moi, c'est bien. Voilà. Les cartes Jojo, c'est pour les PD, Jojo. Et le tome 2 de Jojo, parce que je passe une forme de niveau. Viens, dis-moi. Ah, mais toi, tu vas repasser après-midi. Voilà. Voilà, donc actuellement je viens de rentrer, c'est une bonne chose, bon j'attrape un petit rhume, comme d'hab, voilà, donc je suis assez content, voilà, je viens de terminer, je suis essoufflé de fou, mon poster il vient de tomber, ça c'est pas nice, mais voilà, en tout cas je suis assez choqué, voilà, assez surpris, parce que bon, déjà penser qu'il allait neiger, alors qu'on est littéralement en début de printemps, alors que normalement il aurait dû neiger en hiver en fait, tu vois. Au final, au moment où il y aurait plus de neige, il y aurait des macrossings, en fait il y aura commencé à neiger dans la vraie vie. Voilà, bon, en tout cas voilà, conclusion, avril c'est toujours de la merde, surtout le 1er avril c'est toujours de la merde. C'est vraiment un jour que je déteste, qui restera gravé comme vraiment un jour de merde je pense dans ma vie. On se rejoint en tout cas pour une prochaine vidéo, je ne sais pas quand parce que pour l'instant il n'y a vraiment pas le temps et tout. Voilà, c'était Aïvine, et oh, et ciao.